Après un atterrissage mouvementé à l'aéroport de Queenstown, nous récupérons notre camping-car pour entamer notre road trip à travers la Nouvelle-Zélande. Ce très confortable camion Mercedes sera notre maison pendant ce mois de décembre 2019. Notre installation se fait sous la pluie. Au matin, nous participons à un safari Lords of the Rings, direction Glenorchy. Sur la route qui longe le lac Wakatipu, nous découvrons les paysages qui servent de décor à la trilogie mise en image par Peter Jackson. Malheureusement, le temps complètement bouché nous empêche de véritablement apprécier le paysage. Myriam, en grande fan des récits de Tolkien, est particulièrement touché de marcher dans les traces de ses héros. En retournant vers Queenstown, le ciel se dégage pour nous offrir un grand soleil dans l'après-midi. Nous avons choisi ce moment pour monter à la Skyline. La chaîne des Remarkable abrite le plus grand domaine skiable de Nouvelle-Zélande. La petite ville de Queenstown est entièrement tournée vers le tourisme d'aventure. On y pratique de nombreux sports extrêmes dans des paysages à couper le souffle. Lors d'une balade au bord du lac, nous constatons l'ampleur des pluies qui se sont récemment abattus sur la région. Il est temps de quitter Queenstown, direction Milford Sound. Malgré qu'elle se situe au nord-ouest de Queenstown, nous sommes obligés de descendre vers le sud, en longeant la berge est du lac Wakatipu. Bifurquer à l'ouest direction la ville de Teano, à partir de Teano, nous empruntons l'impressionnante Milford Highway. C'est la meilleure façon de découvrir la région des Fiordlands. Avec ses forêts de hêtres, ses rivières tumultueuses et ses vallées alpines très encaissées. De nombreuses chutes d'eau jaillissent des pics acérés qui jalonnent la route. Après une petite marche humide sur les sentiers de Chelmsworth, on accède au flot tumultueux de la rivière Cléddo. Les galets charriés par son courant ont creusé la roche. Au bout de la route, le Milford Sound se dessine dans une ambiance apocalyptique. Les eaux du fjord sont enfermées entre les parois vertigineuses des montagnes qui culminent à presque 1700 mètres et les nuages sombres prometteurs de pluie nantesque. De courtes croisières permettent de rejoindre la mer de Tasman à la sortie du fjord. Nous bénéficions d'une rare accalmie pour naviguer sur ces eaux sombres et profondes.
Sous un vent adécorné à un bœuf, nous admirons les impressionnantes chutes d'eau alimentées par de nombreuses averses. Pour continuer notre voyage, nous sommes obligés de repartir en arrière direction Queenstown. À l'aller, nous avions repéré un joli emplacement où poser notre camping-car, au bord du lac Wikatipu, et passer la nuit dans un décor de rêve. Notre objectif est de remonter vers les glaciers Fox et Franz Josef. Nous empruntons la Highway 6 qui se faufile entre les lacs Wanaka et Hauea. Le temps d'abord dégagé nous offre de splendides points de vue sur les lacs. Plus tard, la pluie refait son apparition et la route est de moins en moins fréquentée. Nous arrivons finalement face au Haas River Bridge et un panneau closed. Nous nous renseignons et nous apprenons que suite aux fortes pluies, le pont est détruit. Aucune chance qu'il ne soit remis en service dans les jours à venir. Nous serons obligés de faire demi-tour. Mais la route que nous venons de prendre est également fermée. Finalement, elle ouvrira le lendemain matin, et nous pourrons refaire la route en sens inverse, en espérant remonter par l'est de l'île. Ce passage est pour l'instant fermé, également pour des raisons liées aux précipitations exceptionnelles. Nous décidons de nous rendre au Mont Cook, dans l'attente qu'une voie s'ouvre vers le nord de l'île. Tranquille ici. Hein? Avec 3724 mètres, le Mont Cook ou Mont Aoraki est le point culminant de la Nouvelle-Zélande. Nous arrivons dans l'après-midi au pied du géant et nous y passerons la nuit, après nous être baladés sur un des nombreux chemins de randonnée. Le sommet est atteint pour la première fois le jour de Noël 1894, par une équipe d'alpinistes néo-zélandais, composée de Tom Fife, George Graham et Jack Clark. En 1948, Sir Edmund Hillary parvient à son sommet pour la première fois avant d'atteindre le sommet de l'Everest en 1953. Peter Jackson choisit ce sommet pour représenter le mont Caradhras dans le premier volet du Seigneur des Anneaux. Entre-temps, une des deux voies menant vers le nord de l'île est réouverte. Le pont de la Highway 77 sur la rivière Akaya est de nouveau opérationnel. De là, nous filons vers la côte est, jusqu'à Kekura, une station balnéaire sur le Pacifique. Le lendemain matin, il nous reste encore une bonne route à faire pour arriver au Abel Tasman National Park. C'est sous un grand soleil que nous découvrons la magnifique baie de Tasman. Nous nous offrons une balade d'une journée en bateau. Comme nous avons peu de temps et un programme très serré, c'est le meilleur moyen de découvrir le parc. Au programme, cabotage,
rencontre avec les phoques et découverte des différents écosystèmes qui composent le parc. Le petit parc national est ainsi nommé en hommage à Abel Tasman, le navigateur batave, premier européen à découvrir la Nouvelle-Zélande en 1642. À leur arrivée, les colons blancs brûlèrent et abattirent la forêt primaire pour la consacrer à l'agriculture, mais les terres peu fertiles furent abandonnées par les fermiers. Depuis 2012, la fondation privée Project Yanzun tente de restaurer la forêt primitive. Son objectif est d'y arriver en 2042 pour les 400 ans de la découverte par Abel Tasman. Nous terminons notre périple sur l'île Sud. Finalement, nous avons réussi à rejoindre Picton à temps pour notre ferry. C'est le seul moyen de passer d'une île à l'autre avec un véhicule et de rejoindre la capitale Wellington. Le bateau se faufile d'abord dans le fjord pour finalement déboucher sur le détroit de Cook. Arrivé à Wellington, nous décidons de ne pas séjourner dans la ville et de mettre directement le cap sur le parc national Tongariro. Nous nous lançons sur la route du Tongariro Crossing, un des plus fameux chemins de randonnée néo-zélandais d'un dénivelé de 800 mètres. Nous ne ferons pas le crossing, c'est-à-dire la traversée du Mangatepopo Car Park vers le Ketetai Car Park, car nous devons récupérer notre camping-car au point de départ, le Mangatepopo. Nous nous lançons dans un aller-retour express de 6 heures jusqu'au sommet du trail, le Red Crater à 1900 mètres d'altitude. À partir de là, nous rebroussons chemin pour une descente au pas de course vers le Mangatepopo. Sur la dernière pente avant le sommet, le vent violent devient glacial. Le sommet du Red Crater nous offre une vue impressionnante sur Emerald Lake. Pour les amateurs de Tolkien, nous sommes dans le décor de la montagne du destin où l'anneau fut forgé. Après cette randonnée, nous nous dirigeons vers le lac Taupo et la ville du même nom. Du lac qui foisonne de truites, on peut admirer les cimes enneigées du Tongariro National Park. Nous nous offrons une matinée de navigation à la voile sur le lac, avec pour destination la sculpture rupestre maori, visible du lac uniquement. Cette sculpture de 10 mètres de haut a été taillée dans la falaise par Matai Wakataka Brightwell à la fin des années 70. Elle représente le navigateur maori Ngatoro Itangi qui guida son peuple il y a plus de 1000 ans vers la région de Taupo. Lorsque le plus long fleuve de Nouvelle-Zélande, le fleuve Waikato, quitte le lac Taupo, c'est dans le fracas des Hooker Falls. C'est le terrain de jeu idéal pour les jet boats qui emmènent les touristes se confronter au débit de 220 000 litres d'eau par seconde. Nous nous rendons
rendons à Orake Koraku, un petit site géothermique à 30 minutes de Topo, qui n'est pas trop fréquenté. C'est dans cette zone aussi appelée Hidden Valley que l'on trouve le plus grand nombre de geysers de tout le pays. Le site est connu pour ses terrasses de silice, apparues suite à un tremblement de terre il y a plus ou moins 1900 ans. En remontant vers Rotorua à 80 km au nord de Topo, on entre de plein pied dans la culture maori. C'est aux environs de l'an 800 que les premiers maoris en provenance de Polynésie colonisèrent cette île vierge et isolée. Elle s'étalera sur plusieurs centaines d'années avant l'arrivée des Anglais. Aujourd'hui, ils représentent 15% de la population. En 1840, la reine Victoria annexe la Nouvelle-Zélande. Les Anglais négocient le traité de Waitangi. Il se résume en trois articles. Il reconnaît la souveraineté de la couronne britannique sur la Nouvelle-Zélande. Il garantit les biens immobiliers et les terres des Maoris en accordant un droit de préemption à la couronne britannique sur les terres que les Maoris désireraient vendre. Et il garantit l'égalité des droits entre Maoris et Britanniques. Cependant, la traduction et la signification de la propriété pour les Maoris diffèrent de celle des Britanniques et sera génératrice de fraudes et de conflits. Aujourd'hui, les deux peuples tendent à se réconcilier et certaines terres sont rendues aux Maoris. Le tourisme permet aux traditions Maoris de continuer d'exister. Ils n'en sont pas dupes et les spectacles de haka ainsi que les écoles de sculpture et de tissage maori de Tepuia sont une garantie de survie de leur culture. Mais en plus d'un centre d'interprétation de la culture maori, Tepuia est aussi un important site géothermique avec les geysers Prince of Wales et Pohutu qui peut jaillir à 30 mètres de haut. Au village de Wakawe Wareva, ce sont les villageois qui nous guident. Ils nous expliquent comment leurs ancêtres sont venus s'installer sur ces terres fumantes et sulfureuses. Comment ils ont exploité l'activité volcanique autour de laquelle ils ont bâti leur village. S'il est un incontournable pour les amateurs du Seigneur des Anneaux, c'est bien le village de Beaton, près de Matamata. Dans une journée entièrement pluvieuse, nous bénéficions de la seule heure de soleil pour visiter le site. En 1999, débutent les travaux gigantesques pour construire les décors du mythique village de la Terre du Milieu. Une route est construite par l'armée pour rejoindre le site. Et plus de 5000 m3 de terre sont déplacés pour créer les 37 maisons terriers des Hobbits. La production y fait planter un chêne de 30 tonnes qui avait grandi près de Matamata. À la fin de la trilogie, le site construit en contreplaqué, en bois non traité et en polystyrène est démonté. En 2010, le village est reconstruit de manière plus pérenne pour la trilogie du Hobbit. Il sera voué au tourisme et enchantera les nombreux fans. Notre voyage se termine.
et nous peinons à trouver un camping afin de nettoyer le camping-car que nous rendrons demain. Nous finissons par trouver un camping à Port Waikato, une station balnéaire à 80 km de l'aéroport d'Auckland. Demain et après-demain, nous serons dans l'avion pour rentrer en France.